Salut à tous les chats et bienvenue sur Bugland. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite astuce qui va concerner le DLC de Fallout 4. Donc c'est lorsque vous êtes à l'usine General Atomic, vous avez vu, vous avez une petite porte qui vous lance une mission. Enfin c'est pas une mission en fait, c'est juste un événement où il y a un petit robot qui vous parle et qui vous demande de faire quelques tests pour lui. Salutations, unité 700. Veuillez punir cet enfant comme il convient. Donc en fait, j'ai vu qu'il y avait quelques problèmes pour réaliser cette mission, et moi-même j'en ai rencontré. Donc il vous demande de punir Timmy. Donc en fait, punir Timmy, c'est pas ce qu'on pense, et moi je l'ai pensé le premier, hein, d'ailleurs, connaissant un petit peu l'humour de Fallout. Je me suis mis à le taper, à lui tirer dessus, à essayer plein de choses, à coups de batte, etc. Ça ne marche pas. En fait, tout ce qu'il faut faire pour passer la première salle, c'est simplement éteindre la radio. Voilà, donc c'est une punition réaliste, hein, c'est vraiment tout simple. Vous éteignez la radio et vous passez la première salle. Dans la deuxième salle, vous avez une petite peluche en fait qui pleure et il va falloir donc régler ça. Donc vous avez juste ici sur le tableau un grand biberon et il suffit tout simplement d'aller dans votre inventaire et de lui transférer le grand biberon. Voilà, donc il avait faim et pour valider cette deuxième pièce, il suffit tout simplement de faire ça. Vous pouvez alors passer dans la troisième pièce et là il vous demande de retirer tous les objets qui sont dangereux pour les enfants. Je sais pas s'il faut tout retirer, moi personnellement j'ai tout pris dans le doute, mais c'est que j'avais pas trouvé une petite clé qui était sous le fauteuil, voilà, et juste là, donc ramassez tout ce qu'il y a au sol, peut-être que ça va finir la quête, mais dans le doute, récupérez tout, et il y aura pas de problème là-dessus. Voilà, donc là vous avez totalement terminé cette petite quête, ce petit événement, et vous pouvez accéder directement au grand coffre. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette petite vidéo sur le DLC Fallout 4. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un petit like pour la soutenir. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao ciao.